créateur de toutes choses, tu nous donnes ce moment merveilleux dans ta présence, Père, pour pouvoir partager le pain de vie qui est Jésus-Christ. Nous voulons que ton esprit vienne, Seigneur, qu'il puisse oindre la chair, afin, ô Dieu, que la mente soit dégagée, Seigneur, afin, ô Dieu, que ta pensée soit exprimée et que les âmes soient envoyées dans la gloire. Donne-nous ta présence, Seigneur Jésus, par les divins anges. Ils pourront, Seigneur Jésus-Christ, visiter chacun selon les désirs du cœur. Nous voulons témoigner, ô Dieu, de ce que tu as fait dans cet âge. Laisse que le même ange et que la même onction, ô Dieu, puisse être présente ce soir. Bénis notre pasteur, bénis chaque officiel à son poste, bénis aussi chaque frère et chaque sœur, au nom de Jésus-Christ notre Maître. Amen. Pendant que nous sommes debout, je lis juste un petit rien là dans la Bible. Ah, ok. Apocalypse chapitre 3, verset 3. Apocalypse 3, verset 3. Permettez-moi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Kumbuka basi vile ulipokea na kusikia. Et garde et repens-toi. Na chunga na utubu. Et si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Kama ukeshe nitakuya sawa mwizi na utajua wakati gani mitakuwa yulu yako. Merci, pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Asante na zoketi Mungu amebariki. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, j'espère que tout le monde est dans la joie. Natumaini ya kwamba watu wote wako na furaha. Je voulais vivement dire merci à notre pasteur Eli. Napenda kupekea asante mchungaji wetu Eli. Pour cette confiance qui fait que je me tienne ici. Donc, bien que je me suis toujours considéré pasteur associé d'Israël Tabernacle. Tabernacle. Alors, j'ai un petit sujet qui était sur mon cœur. En fait, je m'étais déplacé depuis le mois de mai. Alors, je cherchais comment porter ça. Je voulais apporter ce sujet à tel qu'il pesait sur mon cœur. Mais je ne trouvais pas, je l'ai dit avec respect, je ne trouvais pas la chair où je pouvais me déployer comme il fallait. J'ai eu de très bonnes chairs de mes amis toujours. Alors, l'onction qui pouvait y avoir m'a mené à vouloir aller avec le sujet jusqu'à un niveau. Et pourtant, mon poids était autre. Donc, je vais introduire aujourd'hui. Je serai en train d'évoluer d'une certaine manière. Comme je vais aller jusque le dimanche, donc nous serons en train de faire les pas ensemble. En fait, le poids qu'il y a sur mon cœur était d'essayer de partager avec le peuple de Dieu les réalités présentes que nous sommes en train de traverser dans le monde. Il y a une secousse dans le monde. Kuna kwa kutingizika kumoja duniani. Laquelle est prophétique. Ile inakuwa ya kinabii. Mais demander simplement une petite attention plus avancée. Lakini ilikuwa naombwa tu angalisho kidogo yenye kuenda mbali sana. Je voulais saluer mon ancien.
Penda kusalimia mzee wangu Papa Josué Wangoy. Papa Josué Wangoy. Papa, je vous suis très reconnaissant. Baba nakuwa na shukrani sana. Merci beaucoup. Alors, je voulais en fait mon souci était de montrer ce qui est en train de se passer dans le monde maintenant. Nia yangu ilikuwa ni kuonesha kile kinapitikana duniani hapa sasa. Et combien de temps ça va prendre? Na wakati ngapi itabeba? Et la place de l'épouse par rapport à cela. Na face ya bibi harusi kulingana na hii. C'est-à-dire que nous avons une crise économique, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ni kusema tulikuwa na ukosefu muuchumi wala wajue. Toute l'Europe est entrée en récession, pour ceux qui connaissent le mot. Ulaya wote inanguka vile wale wanajua ile msemo. Donc l'économie est tombée. Sema uchumi inanguka. C'est encore en train de tomber. Na iko tena nanguka. Tous les spécialistes nous disent que si on part comme ça jusqu'à la fin de l'année, ça va changer de la récession en crise économique. Wanasema kama tunaenda hivi paka kumwisho ya mwaka itageuke na kuya kule kuanguka kwa uchumi. Alors, entre-temps, à côté de cela, il y a aussi une secousse politique. Ah, pembeni ya ile kuna kwa kutengizika kwa mambo ya usiasa. Donc, la semaine passée, j'étais surpris de voir que ça continue encore. Il y a eu un coup d'État quelque part là-bas. Il est joué à l'épita, Nirishutu, Chakona, Sema, Kurukuya, Tena, coup d'État, Kouinchi, Levanaita, Niger. Et l'impact aussi de cela sur toute la terre. Et prophétiquement, qu'est dit la parole? Ça, ça tendo ya ile padunia, kufatana na unabi, nene na sema nene. Alors j'introduis cela et puis le vendredi, on va, je vais encore essayer d'enfoncer. Na ingiza ile, na siku ya tano, tapima tena kukaza sana. Je peux bien sûr vouloir à ce que nous nous agitions. Na wezi kupenda kusema tanze kukuchemuka. Mais je pense que c'est pas le moment. Je dois dire ce que je dois dire. Lakini na waza kusema ina wakati, lakini napasha kusema bile napasha kusema. Ce qui va vous aider. Il est à misaidi. Parce que vous savez, quand vous ne connaissez pas la réalité qui est autour de vous, vous pouvez attraper autant de sorciers. Kwa sababu kama mjue ukweli na kwa katokando yenu, unaweza kubamba baloji ba mingi. C'est elle qui fait ça, c'est elle qui fait ça, c'est elle qui fait ça. Oh, ni fulani anafanya hivi, ni fulani anafanya hivi. Alors que c'est juste une saison prophétique. Wakati ile inakuwa tu ni wakati ya kinabii. Mais qui s'accomplit dans l'autre facette de votre main. Lakini inatimilika mwile ngambo ingine ya mkono yenu. Donc c'est un peu ça mon poids, le poids qui est sur mon cœur. Je inakuwa bujito pa moyo wangu. Le poids qui est sur mon cœur. Bujito bunakuwa pa moyo wangu. Parce que l'épouse est appelée à ça. Kwa sababu bibi harusi anaitwa kwa ile. C'est-à-dire que quand le prophète Branham est venu, nikusema wakati nabii Branham alikuja, il était venu avec une mission. Alikuyaka na kazi moja. Sa mission partait de Malachie 4 jusqu'à Apocalypse 10. Dans les livres d'exposé, il dit que le messager de Malachie 4 fera probablement deux choses. Il va ramener les cœurs des enfants à ceux de leur père, c'est-à-dire à la Pentecôte. Nous aurons la foi de la Pentecôte. Tutakuwa na imani ya Pentecôte. Nous aurons toutes les bénédictions de la Pentecôte. Tutakuwa na mabaraka yote ya Pentecôte. Là où nous pouvions voir Pierre en train de marcher. Kule tulizo kuna Petro kuna tembea. Et son ombre guérir les malades. Na kimvuri yake natunza wagonjwa. Nous devons par Malachie 4. Tunapasha kupitia Malachie 4. Retourner à cette bénédiction première. Kurudia kuile baraka ya kumwanzo. Là où Paul pouvait être en prison. Kule Paul alikuwa gerezani. Ou même Pierre. Ata Petro mwenyewe. Juste par une simple louange. Kwa sifa tu kidoko. Les portes de la prison s'ouvrir. Milango ya gereza kafunguka. Et il pouvait marcher et sortir. Na ruwezi kutembea na kutoka. Et les anges ont certainement marché avec eux. Et ces anges devraient visiter l'église au temps de la fin. Il y a une écriture, notre prophète dit que chaque soir, lorsque vous terminez votre réunion, que vous sortez pour monter dans votre voiture, alors les anges de Dieu prennent position tout autour de vous. Non. Le ministère des anges devrait être restauré dans l'église.
Quelqu'un dit amen à ça. Nous t'en assez amen quoi. Le ministère des anges devrait être restauré dans l'église. Utumisha wa malaika urupasha kurudishwa kanisani. Les anges devraient être visibles. Wa malaika urupasha wakuonekana. Les anges devraient se mêler au sein dans l'église. Wa malaika urupasha kuchangana na watakatifu mukanisa. Beaucoup de choses devraient être faites. Bintu mingi urupasha kufanywa. Et là, c'est la première mission de Malachi, chapitre 4. Pale ndio kazi ya kwanza ya Malachi 4. À côté de cela, les dons devraient être restaurés dans l'église. Pembeni ya ile mazawadi ndipasa kurudishwa mukanisa. Tous les dons de l'esprit. Mazawadi yote ya roho. Et il devrait y avoir la puissance agissante dans l'église. Kurupasha kwa uwezo wenye kutenda mukanisa. Là, c'est la mission première de Malachi 4. Pale ndio kazi ya kwanza ya Malachi 4. Mais ce n'était pas cela son message. Lakini haikukuya ile ujumbe yake. Je voulais amener à ça. Napenda kuamen kui. Et parce que je veux pencher un peu de ce côté là. Kwa sababu ntegemea kwa ngambo hii. La puissance dans l'église. Uwezo ndani ya kanisa. La restauration des dons. Kurudishwa kwa mazawadi. On dit qu'il y a beaucoup d'écho ici. Est-ce qu'il y a la possibilité d'arranger? Il y a un peu d'écho, hein? Si on peut diminuer l'écho, je m'excuse. Donc les toute la puissance de Dieu devrait être restaurée à l'église. Mais jamais cela n'était le message du messager. Cela n'était pas le message de William Branham. En d'autres termes, cela ne peut pas faire l'appel de l'épouse. L'appel de l'épouse n'est pas appelé par la première mission de Malachi 4. Parce qu'il restaure les vérités générales. Des choses qui avaient été toujours là. Mais que l'église avait perdu au travers des âges. Mais le prophète Branham dit qu'il fera probablement deux choses. Va ramener le cœur des enfants à ceux de leur père. Et il va restaurer les sept mystérieux tonnerres de la Bible. Je vais amener à ça quelqu'un dit amen. Il va restaurer les sept vérités de la Bible. Les sept tonnerres. Tous les mystères cachés de Dieu. Depuis avant la fondation du monde. Jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cela qui va attirer l'épouse. Ce matin ou ce soir, je vais parler à l'épouse. Je vais dire quelque chose qui concerne, qui est dans le domaine de l'épouse. Oui, mes frères et sœurs. L'épouse mange les mystères cachés. Anakula ni masiri yenye kufichwa. Tout ce qui avait été caché dans la Sainte Bible. Ce qui a préoccupé Dieu. Pour qu'au temps de la fin. Quand nous atteindrons la plénitude des temps. Wakati tutafika mutele ya wakati. Alors il devait lui aussi. Sasa ripasa yeye pia. Dans sa plénitude. Mutele wake. Venir rencontrer la plénitude des temps. Kuya kukutana na utele ya wakati. Pour révéler la plénitude de la parole. Juu ya kufunua utele wa neno. La révéler à l'épouse. Ifunulia kwa kabibi ya usi. C'est cela qui donne la foi de l'enlèvement. Je yenye kuna leta imani ya kunyanyuliwa. Abraham dit. Anasema ndugu bwana. Si je peux te prendre. Kama naweza kukubeba. Et t'amener un peu à côté. Na kukupeleka kumpembeni. Dans la tente là-bas. Mule muema mule. Pour te parler de ce que Dieu. Je kukusemezea bile Mungu. Pour te parler de ce que Dieu. Je kukusemezea bile Mungu. Fait dans ma propre vie. Anafanya mu maisha yangu binafsi. Cela vous rapprocherez de Dieu. Ile itakukaribisha na Mungu. Et ça vous fera prospérer. Na itemiendesha kumbele. Amen. Donc si je peux vous amener. Kama na wasi kumipeleka. Dans la tente. Muhema. Pour te parler. Je kukusemeze. C'est que Dieu. Ya bile Mungu. Fait. Anafanya. Dans ma propre vie. Mu maisha yangu binafsi. Ce que Dieu fait dans ma vie va vous rapprocher de Dieu et va vous faire prospérer. Vous voulez prospérer sur tous les plans. La chose qui vous fait prospérer, c'est ce que Dieu fait
C'est ce que Dieu fait dans sa propre vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ok, dans sa propre vie. Oui, monsieur. Je voulais ne pas déranger quelqu'un. Dans la prédication, le troisième saut. 182-183. Branham dit, voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, les réveils qu'on est censé avoir. On a des réveils dénominationnels. On n'a pas eu de véritable éveil. Non. 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 Quatre fois. Certainement pas. À pas à tout. N'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils. On n'en a pas. Oh, ils ont des millions et des millions et des millions de membres d'église. Mais pas de réveils. Nulle part. Non. Non. L'épouse n'a pas encore eu de réveils. Vous voyez, il n'y a encore eu aucun réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour réveiller l'épouse. Aucune manifestation de Dieu pour éveiller l'épouse. Vous voyez, c'est ce que nous attendons. Il faudra, c'est cet tonnerre inconnu là-bas pour la réveiller de nouveau. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? La chose qui réveille l'épouse, c'est le sept tonnerres. C'est le mystère caché de toute la Bible. C'est les choses cachées. Lorsqu'elles sont dévoilées, elles donnent la vibration au cœur des membres de l'épouse. Abraham dit qu'on n'a pas eu de réveil. La plupart des réveils que nous avons sont des réveils dénominationnels. Parce que vous savez, l'épouse c'est le gros poisson. Donc quand on jette l'hameçon, ça devait aller jusqu'au fond. Il passe à quoi n'a pas camoulé mon pain à mon fond de la mer. Moule chini à barre. Il a dit on jette. C'est bon à tout pas. Merci Seigneur. Ça passe les corps. Il a pita mouili. Traverse l'esprit. Il a tamboukaro. Descend jusque dans l'âme. Il a souka pas candani à napsi. Là, l'épouse est atteint. Pas le bébé russe, il en a passé ou pas. L'épouse est atteint. Bébé russe, on en passe. Mais je me pose la question. La kine n'a dit ou lisa. De savoir. Y'a que djoua. Si réellement. Gama quoi quoi. Beaucoup de prédications concernent l'épouse. Ma oubir ya mingi nangali ya bibi arosi. Quelqu'un marche avec moi? Muntu anatembea na mimi? Je me pose humblement la question. Na jiuliza kwa unyenyekevu uliza. De savoir si beaucoup de prédications concernent l'épouse. Ya kujua kama ma oubir ya mingi nangali ya bibi arosi. La plupart des prédications ne concernent plus l'épouse dans les églises du message aujourd'hui. Ah, ma oubir ya mingi nangali tena bibi arosi makanisa ya ujumbe ya mingi leo. Et c'est ce qui fait qui amène à réfléchir. Na ile ndio napeleka kumafikiri. Oui monsieur. Ndio bwana. La plupart des prédications ne concernent plus tellement l'épouse. Parce que l'épouse n'est pas attirée par le premier poule. Le premier poule, c'était la guérison divine du prophète William Branham. Si la guérison de Branham ne pouvait pas attirer l'épouse, je voulais reprendre. Si la guérison divine de William Branham, le signe de la main ne pouvait pas attirer les gens. Combien faut raison. Ça, ça a été un peu de temps. Je
Vous remplissez là. Kama minaacha wazi munaongeza pa. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Eti mshakufikiri kuko. Si sa propre guérison de Kama matuzo yake moja ya kibongo. Ne pouvait pas tirer l'épouse. Haikuwezi kukokota bibi harusi. A combien forte raison. Asa maranga. No guérison de vie. Matuzo ya kimungu. Et pourtant il vient de dire. Japo natoka kusema. Que si je vous amène à côté. Kama ni mipeleka mpembe. Pour vous dire. Jaku miambie. C'est que Dieu. Kile mungu. Fait. Anafanya. Dans ma propre vie. Mu maisha yangu binafsi. Non, pas dans la vie, vous pouvez ajouter. Écoutez, la chose qui rapproche plus près de Dieu, surtout l'épouse, c'est ce que Dieu a fait dans sa vie. Vous si le deuxième point, qui a été le discernement des pensées, ne pouvait pas attraper l'épouse. Vous imaginez ça? C'est pourquoi beaucoup de réveils que nous avons sont des réveils, comme il a dit, dénomination. Je dis ces choses avec vous. Le prophète dit dans la prédication les uns du temps de la fin. J'introduis. Ça va aller. Les uns du temps de la fin. Il dit remarquez, c'est à ce qu'ils produisent qu'on reconnaît la différence. C'est à leurs fruits, a dit Jésus, que vous les reconnaîtrez. On ne cueille pas de raisins sûrs des chardons. Même si le chardon peut être en plein sur la vigne. Ça, c'est possible. Mais c'est aux fruits qu'on saura. Pour connaître l'épouse, c'est à partir du fruit. Il y aura des enseignants qui viendront. Pour connaître les vrais enseignants, c'est à leurs fruits. Branham dit, les fruits c'est quoi? La parole pour le... Les fruits de la saison. Voilà ce que c'est. Leur enseignement. L'enseignement de quoi? L'enseignement de la saison. Anasema mafundisho ya wakati. Le kile. Wakati linakuwa. Véritable enseignant. Sema ile mafundisho ya kweli. Apporte l'enseignement de l'ère dans laquelle nous vivons. Wa mwalimu wako analeta mafundisho ya wakati mule tuko. L'enseignement de l'âge. Sema mafundisho ya wakati. Même si vous devez parler d'autre chose. Quand vous devez parler, je ne sais pas moi. De la guérison divine. Il faut toujours. Il faut que la mort. Quand vous élevez votre guérison divine. Gardez celle de Branham plus haut. Quelqu'un dit amen à ça. Amen. Parce que c'est ça l'enseignement de l'art. Vous la prenez, vous poussez avec elle. Je voulais le dire avec respect. Je ne crois pas que je peux commencer une prédication. Dis début à la fin. Même si je venais de réciter les morts, vous ne parlez que de ce que Dieu fait au milieu de nous. Jusqu'à terminer, sans élever ce que Dieu a fait dans sa vie. La question est simple. C'est quel enseignement que vous apportez? Si vous ne touchez pas ce que Dieu a fait ici. Donc votre enseignement n'est pas de la saison. Votre enseignement est de la saison pentecôtiste. Même s'il y a eu combien de miracles. Oui monsieur. Cela ne concerne pas l'épouse. L'enseignement de l'épouse est l'enseignement de la saison. Là nous parlons de ce que Malachi 4 a fait. Quelqu'un marche avec moi. Amen. Nous avançons. Et plus nous
unique raison pour faire sortir ce qu'il a amené comme révélation. Alors il y a la foi de l'enlèvement. Branham dit, la nourriture spirituelle. Il dit, prenez. C'est mon bébé. Tout ce que vous avez vu ici. Ce que vous avez entendu. Emmagasinez cela dans votre cœur. Car c'est cela la foi de l'enlèvement. Ce que Dieu a fait ici. Qui le monde a fait apa. Emmagasinez cela dans votre frère. Emmagasinez ce que Dieu a fait ici. Dans votre qui le monde a fait apa. Tel que nous sommes là, même si le révérend venait, il ressuscite un cadavre. Ah, moi on a quoi na fufu la mufu apa. Nous allons sauter glorifier Dieu. Tout à l'heure na kutokoza mungu. Mais à magasiner. Na kini muchunge. Ouais, comme il kamususu. Apa na kwa ni mambo ingi. Parce que Dieu lui avait dit d'emmagasiner la nourriture spirituelle au temps convenable. Mungu alimwambia chunge chakula ya kiromo wakati nafai. L'enseignement de la saison. C'est ma l'heure qu'il est. Une doctrine de l'homme. Une doctrine de l'homme. La doctrine dénominationnelle. Ou bien la parole de Dieu pour la saison. Voilà, neno ya mungu juu ya ile wakati. Vérifiez l'enseignant. Regardez l'enseignant très bien. Le prophète Branham dit. La Bible Branham anasema, dans Dieu de cet âge mauvais. Il dit la séduction est grande. Anasema, tongozi ni kubwa leo. Mais regardez ce que vous devez faire. Lakini angalieni kile mnapaswa kufanya. Suivez attentivement. Mufuate kwa angalizi. Prenez note. Mwandike. Écoutez attentivement. Et vérifiez aussi chaque chose. Na muchunguze pia kila kitu. Quand on prêche, c'est wakati wanahubiri. Payez attention. Mwanze kuwasikia mzuri. Omwendenge botalanga. Unaona vile mko na nyangari. Mon église c'est comme ça. Kanisa yangu ni vile. Vous montez à la chair, vous commencez, on vous regarde très bien. Quatre kuna panda kumibaro nanza, bena kuangaria mzuri sana. On peut aller 45 minutes. Temps. Si tu es nerveux, tu vas t'énerver toi-même. Kama kwa kisiala nuta shirika. Sobe takana, obeti kana ukufuna. Kama hapa bana, unanguka paka. Tu veux nous amener? Unapenda kutupeleka wapi? Tu prêches brana? Unahubiri pale? Ou tu prêches autre chose? Unahubiri bintu bingine. La doctrine, ma fundisho, ça peut être la doctrine des noms. Il y a aussi quoi ma fundisho ya muntu. Comme je dis souvent, l'enseignant, mwalimu, tout le monde peut être enseignant. Bantu bote manesko balimu. Oui, monsieur. Dio bwana. Parce que la Bible dit que les anciens doivent être aptes à l'enseignement. Anasema ule wakujua na tout pasteur peut enseigner. Pasteur wote na tout ministre peut enseigner. Mhubiri wote anaweza kufundisha. Mais il enseigne quoi? Il enseigne la doctrine. De son église, la manière d'appliquer les écritures. Selon l'interprétation de leur église. Ça tout le monde peut enseigner. Mais quand tu être docteur. Branham dit, je suis tout. Sauf. Qui est un docteur? Et qui est un enseignant? Un enseignant, c'est quelqu'un qui agence les écritures avec propriété pour vous passer un message. Mais il n'en est pas ainsi d'un docteur. Un docteur. Donc je vais dire quelque chose que peut-être lui a du mal à vous dire. Un docteur, selon William Branham, c'est un interprète de la parole. Ni mutafsiri wa neno. Je sais que ça sonnait là. Najua sa bina lia. Question réponse. Swali najibu. Du 12 janvier 61. Paragraphe 55. 54 il dit si quelqu'un vous dit que je suis pasteur. Kama mtu anasema niko wewe pasteur. Et que vous voyez qu'il est frivole, alors il ne l'est pas. Na unaona kwa kuluka luka ashina vila pana. 55. Dieu m'a dit m'a appelé à être docteur. Et voyez comment il interprète
la parole. Vous voyez, s'il l'embrouille complètement et tout le reste, alors vous êtes fixé qu'il n'est pas un docteur. Un docteur, c'est qui interprète la parole. Il explique la parole. Il peut aller plus loin avec les Écritures. Parce qu'il n'est pas un prédicateur. Il peut aller encore. Dans la prédication s'étase de l'église. Il dit, eh bien, apportez votre Bible, votre crayon et du papier. Vous aimeriez aussi noter les Écritures. Et si vous ne pensez pas que c'est tout à fait exact, écrivez-moi une petite note et déposez-la pour la soirée suivante. Je me rappelle que je suis resté 1 an et 6 mois sur les livres d'Apocalypse. Ici au tabernacle. Voilà ce que j'aime dans l'enseignement. J'aime vraiment l'enseignement. Oh là là. Oh là là. Je sens que c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime l'enseignement? Je sens que c'est merveilleux. Ça donne un fondement et stabilise l'église. La prédication. Eh bien, il y a des gens qui sont des prédicateurs. Ils peuvent prendre la parole par l'inspiration et l'abrandir à des endroits. Ça, c'est arroser les semences que l'enseignant a enseignées. Voyez-vous? Eh bien, il vous faut premièrement planter une semence là-dedans. Et ensuite l'arroser. Et l'arrosage vient par la prédication de la parole. Il y a une grande, une large différence entre un enseignant et un prédicateur. Voyez-vous? Ce sont deux différents dons de l'esprit. J'ai dit ceci avec humilité. Mais je n'ai ni l'un ni l'autre de ces dons. Donc, quelque part, le message de William Branham se retrouve dans l'enseignement. L'enseignant doit venir jeter les semences. Et le prédicateur doit venir prendre ce que l'enseignant a jeté et aller brandir ça ailleurs. En d'autres termes, le prophète parle et il laisse ça en énigme. Je me tenais là. Quand je me suis retourné, il y avait une déflagration. Quand je me suis retourné, j'ai vu qu'il n'y avait que des décombres. Là, c'est le prophète qui voit la vision. Et puis il la laisse. Il faut qu'un enseignant vienne. Il faut un docteur. Lui va venir. Il prend seulement les décombres. Et il voyage avec. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il entre dans la pensée du prophète et il comprend la déflagration, le décombre, comment, pourquoi, avant quoi, après quoi, cela doit arriver. Il n'a pas sa cour. Et il vient. Anakui. Il expose. Anafasiri. Alors, Sasa, les prédicateurs Mubiri doivent venir. Abawiri wa lapasa kuya. Prendre chez lui. Kubeba kwake. Écoutez, je voulais dire une chose ce soir. Sikia napenda kusema kitu kwa hiyo. Les prédicateurs Mubiri ne doivent pas puiser directement de William Branham. Abapase kusota mara moja kwa William Branham. Prédication les sept âges de l'église. Mubiri maelezo saba ya kanisa. Ils ne les comprendront pas. Abate est-ce que nous marchons ensemble? Branham dit, l'enseignant
les docteurs jettent les sémons. Les prédicateurs viennent prendre ça et les brandir partout. Si les prédicateurs partent chez Branham, il meurt. Va dessiner une vache au-dessus de l'arbre. La preuve est qu'il ne supporte pas les docteurs. Docteur se présente. Wakati tu munganga moja anajionesha. Devient la cible de tout le monde. Anakuja tu ni mtu akupikwa na watu wote. Il faut venir ici. Lakini inafaa ikuja hapa. Faut venir puiser ici. Inafaa ikuja kushota hapa. Est-ce que nous marchons ensemble? Eh, tu tunatembea pamoja. Et lui va puiser chez William. Na yeye anaenda kushota kwa William Branham. Branham dit. Branham anasema que je ne jette que des semences. Et il y a des gens qui viendront après moi. Ils prendront ces messages et ils donneront des sens. Cela veut dire que le message tel qu'il est dans les brochures, il n'a pas de sens. Paragraphe 22. La lettre 43. Paragraphe 22 et 43. Mais ça n'a pas de sens. Il faut aller chez lui. Il a failli kuenda kwake. Et lui donne sens. Na yeye analeta mana. Et quand il donne sens, na wakati analeta ile mana. Alors vous prenez, vous brandissez partout ces Branham. Sasa mnaibeba mnaanza kuionyesha fasi yote ni Branham. Vous brandissez partout. Mnaanza kuionyesha fasi yote. Oh gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Je voulais parler d'Israël. Napenda kusema yule ya Israël. Ça tombe bien. Inafika mzuri. Que vous avez un grand ministère. Muko na utuma mkubwa hapa. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous? Eti mnaweza kushangilia njoo mwe benyewe. Merci Seigneur. Asante Bwana. Asante Bwana. Israël. Israël. Alors je vais parler comme si je vous racontais une histoire. Ça s'est passé quand on est ici à côté de ce camoche. Dans mes 15 minutes, je pense, ou 20 qui me reste. Israël. 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 C'est ça mon sujet. Joe, qui s'est n'ayant je ne fais qu'introduire. N'ingiza tout. Pose d'abord. Ok, je vais lire ça après. Mita soma ibadai. Le mot Israël veut dire prince avec Dieu. Asema ile musema Israël manaya ke mufalme pamoja na Mungu. Vous allez tous vous rappeler de Jacob. Mtakumbuka mbote Jacob. Jacob qui était un supplanteur. Jacob alikuwa mdanganyifu. Il avait volé Aribaka les droits de naissance de son frère. Ile haki ya kuzalika kwa kwanza ya binkutuko. Et alors un jour son frère cherchait son droit de naissance. Nduku yake alikuwa anatafuta ile haki ya kuzalika kwa kwanza. À l'époque on l'appelait Jacob. Zamani walikuwa wanamuita Yakobo. C'est ça mon sujet. Dieu qui s'y n'ayant oui. Très simple mais très profond. Moi pèse la qui n'y a ou pas na ça. Alors? Sas. Son frère voulait se venger. Mukwa ki arpenda ko lipisa ki sas. Vous connaissez l'histoire cette nuit là. Mona djua ile usiku ile. Il avait envoyé ses femmes, ses enfants. Aritouma ka wa bibi yake watoto. Tous les biens qu'il avait. Bintu biote biake arko sana. Le message du frère était que je vais te tuer. Na ujumbe ntuka kwa ni takuua. Alors il est resté dans les champs en train de prier. Ça kabati mu mashamba iko naomba. Et puis il a beaucoup prié. Kisha kaomba zaidi. Et soudain un ange lui est apparu. Na mara moja malaika akamtokele. Un ange lui est apparu. Malaika akamtokele. Et alors lui a dit. Sasa kamwambia. Que je ne te laisse pas. Mimi sitakuachilia. Tu dois me bénir. Unapasa kunibariki. Alors il a commencé à se battre. Sasa kaanza kukombana. S'est battu, s'est battu. Kombana na kombana. Et finalement. Na mwisho yayo. Nous tendions vers le matin. Sasa tukana fika asubuhi. Et l'ange lui a pris. Na malaika kamubeba. Lui a jeté par terre. Vous connaissez l'histoire. Tupa chini mnajua hadithi. Vous connaissez l'histoire. Mnajua hadithi. Alors quand Jacob se lève. Sasa wakati Jacob analamuka. Oh, il pouvait pas bien marcher. Asikwazi kutembea mzuri. Et pour avoir lité avec Dieu. Dia kukombana na Mungu. Son nom est passé de Jacob en Israël. Jina yake katoka kwa Jacob na kwa Israël. J'ai dit son nom a quitté Jacob. Il s'est mangé na katoka kwa Jacob. Il est devenu Israël. Ikakuya Israël. OK. Ça ce qui signifie prince avec Dieu ou celui qui a lité avec Dieu. Il est mana yake ule alikombana na Mungu wala mfalme na pamoja na Mungu. Jacob ici. Sasa Yakobo huyu. Oh, il avait 4 femmes. Alikuwa kana wake ine. En réalité c'était 2 femmes. Mukweli ilikuwa ni wake wawili. Les autres étaient les bonnes. Wale wa pili walikuwa tu ces 2 femmes. Wa vijakazi wake. Mais il est arrivé qu'il a mis au monde avec ses enfants. Sasa kafika kusema akazana na wale wa vijakazi. Alors,
Jacob, quand il met au monde ses enfants, il était déjà Israël, bien sûr. Wakati, Jacob a nazala na batoto yake wale wa Israël. Il a mis au monde 13 enfants. Akazala watoto 13. La 13e était une fille. Na ule wa 13 alikuwa ni binti. Ses enfants sont allés en Égypte. Watoto yake akaenda mu Misri. Il les a aussi suivis. Akawafuata pia. Jusque là, il n'est pas une nation. Paka pala si akwa inchi. Mais il avait au moins la promesse. Lakini alikuwa akotuna hadi. Selon laquelle? Fatana na ile. Dieu avait dit à Abraham, Mungu anamshaka Ibrahim, que je ferai de toi une grande nation. Mimi tafanya wewe uwe inchi kubwa. De toi sortiront des grands hommes, des rois et des grands dirigeants. Toka kwako kutakuwa wafalme wakubwa wa inchi kubwa na watu wakubwa. Alors un jour il devait quitter l'Égypte. Sasa siku moja wanapaswa kutoka Misri. Sont sortis de l'Égypte. Wakatoka mu Misri. Ils étaient seulement nombreux. Walikuwa watu wa mingi. Mais ils n'étaient pas une nation. Lakini hawakuku yake inchi. C'est quand ils arrivent au pied de Sinaï. Ni wakati wanafika pembeni ya Sinaï. Dans Exode 19. Mule mukutoka 19. Au verset 6. Ule mstari ya 6. La Bible dit. Biblia inasema. Si tu m'es fidèle. Kama uko mwaminifu kwangu. Tu seras pour moi. Utakuwa juu yangu. Un royaume de sacrificateurs. Ile ufalme wa kohani. Et une nation sainte. Na inchi takatifu. C'est depuis ces jours. Itangia ile siku. Que Dieu signe une alliance avec Jacob. Mungu ana saini agano na Jacob. Non pas avec Jacob en tant qu'individu. Apana Jacob sa vile muntu. Mais avec sa descendance. Lakini na kizazi kyake. Alors, le nom d'Israël. Sasa ile jina Israël. Quitte de l'homme individu Jacob. Inatoka kwa ule muntu muntu Jacob. À un groupe de gens. Kundi moja ya watu. Quelqu'un marche avec moi. Monte en attendant la même. À la descendance. Il devient une nation. Anakuwa inchi. Maintenant, quand vous comptez ses enfants, ça c'est wakati mnahesabu batoto yake. Comme on ne comptait pas une fille, savile wakuwa na kubalula ile hivi. On est resté avec 12 enfants. Wakabaki na wale watoto 12. Mais parmi ces 12 enfants, lakini katikati ya wale watoto 12, selon cette alliance avec Dieu, kufatana na ile agano na Mungu, Dieu a mis de côté Jacob. Mungu akaweka pembeni Yakobo. Sur 12, ils sont 11. Ile 12 wanakuwa 11. Et Joseph était le 11e. Je vais parler de Joseph. Et alors, il enlève aussi Lévi. Anatosha pia Lévi. Alors, il reste 10. Asa wanawake 10. Il reste 10. Wanabaki 10. Maintenant, sur 10, il prend les deux fils de Joseph. Sasa mubale wa 12 wanabeba 10 anabeba wale watoto wake 2 wa Joseph. Il les remplace. Anawaweka pa faida. Alors, ils deviennent 12. Wanakuwa sasa 12 tena. La nation d'Israël. Il est face à inch à Israël est constitué des enfants de Jacob et de ses petits-fils. Inakuya na ndani yao watoto wa Yakobo na wankana yake. Ses 10 fils. Ça wale watoto wake 10. Et deux petits-fils. Na wale wankana yake wawili. Ce qui fait 12. Il est maana yake 12. 12 tribus. 12 ya vizazi. 12 tribus. Vizazi 12. Wanaendelea. Sortent de l'Égypte. Les 12 là deviennent une nation. Wale wa 12 wanakuwa inchi. Les 12 deviennent une nation. Et puis quand ils avancent encore, ils sont dans le pays. On passe le temps des juges. Alors, ils ont besoin d'un roi. Ils viennent chez Samuel. Samuel. Pour dire, Samuel, donne-nous un roi. Samuel, tu partais moufalme moj. Tu dis. Mungu anasema. Samuel. C'est pas Samuel. C'est pas toi qui le rejette. Aina wewe wanakatala. Mais c'est bien moi qui le rejette. Lakini ni mimi wanakatala. Maintenant, si nous nous mettons à réfléchir ensemble. Sasa kati tunaanza kufikiri pamoja. Vous verrez que le peuple avait raison. Utaona sema taifa ilikuwa na sheria. Jusqu'à un niveau. Paka mukipimo. Pourquoi? Juu ya nini? Dieu leur avait dit à Sinaï. Mungu aliwaambia kama ile kipimo. Que vous serez pour moi un royaume. Mutakuwa juu yangu ufalme moja. Des sacrificateurs. Ya wakoani. Or tout royaume doit avoir un roi. Il n'a pas quoi la mufalme moja. Et dans la loi que Dieu avait déjà donnée à Moïse. Na ile sheria Mungu alipatia kwa Musa. Dieu avait déjà donné les conditions. Mungu alikwisha kuleta makanuni. Où tu décris le profil de celui qui devait être roi. Wala ile ilipaswa kuwa mtu alipaswa kuwa mfalme. Et quand nous reculons encore. Na wakati tunarudi nyuma tena. Nous trouvons que Jacob. Tunaona kusema Yakobo. En bénissant ses enfants. Kubariki watoto yake. Il avait béni Juda. Alibarikaka Yuda. D'une onction de premier-né. Ya ile upako ya kuzalika kwa kwanza. Il lui a dit Juda toi tu es un lion. Alisema wewe Yuda uko simba. Le sceptre royal. Asema ile masiri ya kifalme. Sceptre royal. Ile mbakora ya kifalme.
va être dans ta main jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Les Shiloh, c'est le royaume du millénium. Donc, quand Jacob a ses enfants, avant qu'il n'ait les descendants, il avait déjà établi Juda comme roi. Est-ce que nous marchons ensemble? Il avait déjà pointé qui devait être roi. Mais soudain, quand nous arrivons au Sinaï, Dieu fait d'Israël un royaume sans roi. Ce royaume a commencé à continuer, avancer, et sans roi. On arrive au temps de Samuel. Le peuple dit non. Mais nous sommes quand même un royaume. Samuel, Samuel, nous avons besoin d'un roi. Dieu dit que c'est moi qui le rejette. Alors Dieu leur donne Saül. Branham dit que c'était une volonté. Il quoi ni ma peine ni courroussi wa. Ok, faisons ça comme ça. Tu y bébé ville basse. Si c'est une volonté permise. Comment ni ma peine ni courroussi wa. C'est que. Négocem. Nous marchons ensemble. Tu n'attends bien pas moche. Ah ok. Les autres au gang été. Côté bas dimanche lundi. Donc on va chauffer. Tout à waki chamote. Alors. Ok, je leur donne. Ils donnent Saül. On n'a pas parti à Saül. Ce qui était une volonté permise. Il est quoi ma pensée aussi. Mais non, cela est censé dire. Ça, il n'a pas chaque que comme c'était la volonté permise. Il quoi ma pensée aussi. Après Saül. Qu'est-ce que Saül? On doit retourner dans la volonté parfaite. Tu n'as pas chaque rudi ma pensée camélifou. Alors quelle était la volonté parfaite? Ça, c'est ma pensée camélifou. Quoi que nini? Sans roi ou avec roi? Bila mufalme ou ala na mufalme. La volonté permissive ne l'était pas par rapport à être sans roi. Mais elle était volonté permissive. Pourquoi? Tout simplement parce que la loi disait qu'un enfant bâtard ne pouvait pas entrer dans le temple pendant 10 générations. Et Juda, qui était établi par son père roi, avait commis adultère avec Tamar. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, on devait compter depuis Juda. Compter 10 générations. Et ensuite avoir. C'est lui qui devait être roi. Comme la lignée de Juda était souillée. Alors Dieu est allé prendre quelqu'un de la tribu de Benjamin. Que c'est lui qui comprenne dise amen. Parce que Saül n'était pas de la tribu de Juda. Saül sortait de la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin ne pouvait pas tenir la royauté. Mais comment il est entré ça là? Et pourquoi Dieu qui avait établi Juda roi par Jacob et par Moïse ne prend pas quelqu'un de sa lignée? Si vous comptez dans votre livre des rites, dernier chapitre, comptez depuis Juda jusqu'à Isaïe, vous verrez qu'on compte 10 générations. Et après, nous avons Isaïe engendra David. C'est ce qui a fait que après Saül, nous retournons dans la lignée royale. Et Dieu prend David, il est placé sur le trône. Et David est l'homme selon mon cœur. Son royaume va aller jusque dans le millénium. Et vous savez, dans le millénium, il y aura deux princes. L'un entrera par la porte orientale. L'autre entrera par la porte du côté du temple. Jésus sera sur le trône. Et
Et l'autre prince, qui est David, sera aussi sur le trône. Est-ce que quelqu'un marche avec moi? Le message de Branham est venu nous révéler les plans de Dieu. Est venu nous révéler les choses cachées de la Bible. Sinon, vous vous demanderez. Mais comment? Juda qui est devenu roi. Par Jacob. Quoi, Jacob? Des années plus tard, quand Moïse vient pour bénir aussi les 12 tribus, il bénit Juda comme roi. Mais quand il faut que Dieu donne roi, il prend quelqu'un de la tribu de Benjamin. Qui a commis l'erreur? C'est Dieu. Et c'est pourquoi Branham regarde. Il dit non. Saül fit la volonté permissive de Dieu. Quitte à nous maintenant de vérifier. Volonté permissive. C'est la royauté. Ou c'est la personne de Saül. Parce que le peuple lui cherchait le roi. Quoi ça? Il est arrivé quoi, et soudain après ça il y a David. Donc volonté permissive n'est pas la royauté. Volonté permissive c'est l'homme. Ah, ma de mais pourquoi il est cela? Parce qu'il ne sort pas de la lignée royale. Est-ce que nous marchons ensemble? Gloire à Dieu. Nous avons Saül. Nous avons David plus tôt. Finalement David va avoir autant d'enfants que vous connaissez. Jusqu'à Salomon. Salomon va régner. Salomon tatawala. Nous savons comment il a régné. Parce que Salomon fut un politicien. C'est 1000 femmes. N'a été qu'une stratégie pour garder son pays en paix. Il regarde, il trouve que l'Égypte peut m'attaquer. Il épouse la fille de Pharaon. Quand l'Égypte veut aller, on leur dit, nous avons notre fille là-bas. Il dit, oh, ni t'étais notre fille. Et regarde, un pays qui est menacé, il épouse encore. Il épouse 1000 femmes, 1000 nations. Et automatiquement, à cause de ces femmes qui constituaient une seule épouse, à cause de l'épouse, est-ce que quelqu'un a les yeux? À cause de l'épouse, il est en paix avec tout le monde. C'est pourquoi Branham dit que aussi longtemps que l'épouse est encore sur la terre, les bombes atomiques ils ne peuvent pas exploser à cause de notre présence. Oh, gloire à Dieu. Maintenant Salomon est prêt à mourir. Jusque là Israël est Israël. Pas Israël avec 12 tribus. 12 tribus. Les deux petits-fils et 10 fils. Wale wankana wawili na watoto kumi. Et aussi les sacerdotes qui étaient chez Lévi. Alors, ça. Quand il meurt, quand Salomon meurt, Salomon on prend les pouvoirs, on donne à Jéroboam. Jéroboam prend les pouvoirs. Les jours suivants, le peuple est venu. Le peuple est venu. Il faisait une marche. Mais la scène là était une activité politique. Les membres, quoi, une membre qui le peuple vient réclamer. What on a quoi qu'audai? J'en dis, Jéroboam. Ton père nous a fait payer beaucoup de taxes. Baba y'a quoi tous les pisse à ma taxe y'a mingi. Allez genou. Ouais, ou tout toucher, ou tout toucher. Donc c'était une réclamation économique. Il quoi ne couombe quoi membre qui tu y'a qui outre. Réclamer avec les décors politiques. La qui n'y'a couombe na couone kana quoi qui siasse. C'est pourquoi je vous disais dans l'introduction. Donc on est quoi ensemble Kingilio? Que j'ai le souci de vouloir vous montrer ce que nous passons maintenant. L'économie qui a basculé. Nous sommes allés au Tchoumi, des revendications politiques. Notre monde est bousculé. Et ça nous atteint même. Na, ina tubamba na sisi. Est-ce
qu'on parle des dollars qui ont grimpé. Les coûts de vie est difficile. Nous sommes atteints. Quoi? Oui, monsieur. Dio, ils ont dit à Salomon. Allège-nous le poids. Et à Jéroboam. Jéroboam dit, ok, ça va. Jéroboam, donnez-moi du temps. C'était des vieillards. Qui réclamait. Laissez-moi le temps, je vais venir vous répondre. Alors, quand il est parti, arienda, la Bible dit qu'il réunit les jeunes gens. Et puis, il leur demande, qu'est-ce que vous pensez que je peux faire? Alors, ils ont réclamé. Ça va kaomba. Il réunit les jeunes gens. On a kusanisha wa vijana. Il demande aux jeunes. On a ulisa wa vijana. Qu'est-ce que vous dites? Munasema nini? Par rapport à ce qu'ils me demandent. Fatana kile banani lomba. Les jeunes gens disent. Wa vijana wanasema? Non. Hapana. Faut pas leur donner ce qu'ils cherchent. Hapana kubapata kile wanatafuta. Va. Dis-leur. Wendo baonesh. Que ils vont même ajouter. On va même ajouter l'autre taxe. Anasema tutaongeza na mataxi nyingine. Il revient et dit hey, écoutez. Wanasema sikieni. Je ne vais atténuer rien. Misi tasusha kitu. Rien. Je ne vais pas atténuer. Je vais au contraire rajouter. Et la Bible dit qu'ils n'étaient pas contents. Et ils ont crié. Ils ont rejoint un Roboam qui était qui fit un exilé politique en Égypte. Qui était revenu après la mort de Salomon, Salomon pour tenter s'il pouvait prendre le pouvoir. J'en arrive maintenant. Alors, Sasa. Roboam s'est associé à ses revendicateurs. Roboam a combattu na wala alikuwa na ombaka. Et ils ont crié. Wakaomba. Ils ont dit à tes tentes, ô David. Asema kumaema yako ô David. Trop forte. Ini musemo ya nguvu sana. Trop fort. Ya nguvu sana. C'est-à-dire nikusema David, Daudi, toi la oui. Maison de Juda, nyumba ya Yuda, avec ceux qui vont te suivre. Na wale watakufuata. Il y avait la maison de Benjamin qui était resté avec lui. Kurubakiaka nyumba ya Benjamin irubakiaka nabo. Mubakie. Vous ne régnerez plus sur nous. Amuta tawala tena yulu yetu. Remarquez bien. Angalieni mzuri. La maison de Juda nyumba ya Yuda était établie pour régner sur eux. Iriwe kuanjua kutawala yulu yabo. Mais lakini, il refuse banakatala le plan de Dieu. Matengenezo ya Mungu. Il décide banabeba mupango de se détacher de la royauté ya kuachana na ufalme de la maison de Juda. Ya ile nyumba ya Yuda. Alors, 10 tribus sasa bizazi 10 sont partis au nord. Ikaenda kule ku kaskazini. Et deux tribus. Na bizazi biwili. Qu'est-ce qu'on parle de deux tribus? Sasa zingine wanasema njoo bizazi. Sont restés avec la maison de David. Bikabaki na nyumba ya Daudi. Maintenant, quand Jéroboam voulait tirer l'épée. Sasa wakati Jéroboam anapenda kukombana. Njoo kwenda kukombana. Afin d'imposer sa position. Kwa ajili ya kuweka ile msimamo wake. Dieu lui dit de ne pas le faire. Mungu anamwambia asifanye. Directement la configuration change. Mara moja mambo yanabadilika. Parlons des 10 tribus. Israël se déchire. Israël na katana. Nous restons avec 2 tribus. 10 tribus partent. Bizazi kumi binaenda. Au nord. Kule ku kaskazini. Au sud. Kule kusini. Et restent les 2 tribus. Kuna baki le bizazi biwili. Maintenant, ceux qui sont partis au nord. Sasa wale wanaenda ku kaskazini. On a continué à les appeler Israël. Wakaendelea kuwaita Israël. Ceux qui sont restés au sud. Wale wanabakia kusini. Ce sont eux qu'on appelait les royaumes de Juda. C'est de là que sorti les mots juifs. Qui disait juif ou qui dit juif jusqu'aujourd'hui veut dire dans la vraie étymologie quelqu'un du royaume de Juda. Maintenant, les 10 tribus qui sont partis, on les appelle tantôt Israël. Tantôt Ephraïm. Pourquoi Ephraïm? Ephraïm. Parce que tel qu'ils étaient partis. C'est Ephraïm qui était la tribu la plus forte. Et Ephraïm, il avait tout. Même l'armée était entre ses mains. Et elle qui dominait. Et avec Dan. Lakini na Dan. Remarquez ceci. Remarquez.
Désormais, quand on dit Israël, ça ne signifie plus Israël. Le vrai Israël signifiait 12 tribus. Israël, mais depuis cette division, le mot Israël signifiait 10 tribus. Donc, la terminologie du mot Israël change. Ça change. Là où ils sont partis, finalement ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ils ont fait un faux. Ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré. Or la loi disait que si quelqu'un adore un autre Dieu, son nom devrait être effacé de dessous les cieux. C'est pourquoi quand Israël a des 10 tribus, quand ils ont commis cette abomination, alors il fallait qu'on efface leur nom. Il faille question réponse Salinaji. Du 3 janvier 54. On pose la question. Question 23. Eh bien, bonjour. Où sont les 10 tribus d'Israël qui ont été perdus et qui se sont dispersés? La tribu de Joseph qui est dispersée dans plusieurs nations. Siméon et Lévi n'avaient pas de part des patries à eux, mais qu'ils ont éparpillés parmi les autres 10 tribus. Où sont les 10 tribus? Pouvons-nous les localiser? Unajua sasa kuna unaona sasa kuna kwa bintu mingi mujumbe. Que nous devrions explorer. Bile tulipasha kuchunguza. Là où se trouve les 10 tribus, c'est une préoccupation. Kule kuna kwa bile bizazi 10 ni mambo moja. Mukipio sasa kwa kumuliza ndugu bwana. Branham anasema, "Oui monsieur." Ziyo bwana. Elles peuvent être localisées. Bana wote tunawasi kuwapata fasi moja. Géographiquement. Kufatana na mambo ya budongo. Elles peuvent être localisées dans la Bible. Et là, na pale, Dieu nous dit où elles seront dans les derniers jours. Kujua kule beko, kufatana maya siku ya mwisho. Et quelle sera la fin? Sasa, mwisho ya itakuwa nini? Et quelle sera la fin? Na nini itakuwa mwisho? Non. Ont à voir avec le temps de la fin. Elles doivent être localisées. Branham dit, nous devons connaître où elles seront au temps de la fin. Et quelle sera la fin? Maintenant regardez. Je clôt par session. Continue vendredi. Quand ils sont partis, ils ont commis l'abomination. Walitenda ile zambi. Dieu a envoyé les Assyriens. Mungu akatuma wa Assyria. Les attaquer dans une guerre. Kuwashambulia mvita moja. Et on les a transportés. Na wakawabeba. On les a amenés en Assyrie. Wakawapeleka mule Musiri mule. Et les deux tribus sont restées. Na bizazi biwili bikabakia. Les deux tribus qui restent. Aba ba bizazi banabakia. Et aussi n'ont pas été obéissants. Na bo abakukwe watifu. Et Dieu a envoyé Babylone. Na Mungu akatuma Babylone. Les deux tribus et amener à Babylone. Na kuwapeleka mu Babylone. Nous aurons désormais 10 tribus en Assyrie. Bizazi kumi kule ku Syrie. Avec leur nom effacé de dessous les cieux. Na njina yabo yenye kuzimishwa chini ya mbingu. 2 tribus à Babylone. Bizazi biwili ku Babylone. Et après 70 ans. Na kisha miaka 17. Dieu retourne les 2 tribus. Mungu anarudisha bile bizazi biwili. Avec les Zorobabel. Naba Zorobabel. Quand ils reviennent. Wakati wanarudi. Dans le pays. Mouichi. Ils sont 2 tribus. Beko bizazi biwili. 10 ne sont pas revenus. Sema bizazi kumi abikurudie. Maintenant les 2 tribus. Sasa bile bizazi biwili. Reconstruisent le temple. Bana jengulula ile hekalu. Les 2 tribus. Ile bizazi biwili. Reconstruisent la clôture. Bina jengwa ile ukuta. Les 2 tribus. Ile bizazi biwili. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Paka pale Yesu anakuja. Et Jésus est venu chez les 2 tribus. Na Yesu akakuya kubile bizazi biwili.
Parce qu'il est le rejeton de David. Et il revient comme les lions. Ou comme la descendance de David. Maintenant écoutez. Quand Jésus vient, il prend, il écrit. Et ils disent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Combien de tribus disent ça? Deux tribus. Les dix tribus sont innocents du sang de Jésus. Parce que la Bible dit qu'ils sont là jusqu'à ce jour. Ceux qui ont détruit, tué Jésus, c'est les deux tribus. Et alors, tu t'y souviens, il chasse les deux tribus. Et il se disperse dans le monde. Je voulais respecter le temps. J'ai 4 minutes. Merci Seigneur, j'ai 4 minutes. Est-ce que quelqu'un aime 4 minutes? Oh, si on lit 4 minutes, on lit une écriture. Je vais lire dans Esaïe. Prophète Esaïe. Nabi Isaïe. Je vous lis 11. Na soma ile 11. Isaïe 11. Verset 12. Ile mustara 12. Esaïe 11, verset 12. Isaïe 11, mustara 12. Vous allez voir comment c'est ça goûte, hein? La Bible dit ceci. 11, verset 12. J'ai bien noté. Chapitre 11, verset 12. Ok. Si je prends depuis le verset 11, la Bible dit, dans ces mêmes temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main. Pour racheter le reste de son peuple. Un reste. Dispersé en Assyrie. Et en Égypte. Le reste de son peuple. À Patros et en Éthiopie. En Afrique. À Alam, à Shinear et à Hamat. Et dans les sites de la mer. Maintenant écoutez, il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Virgile. Et il recueillera les dispersés de Juda. Donc nous avons deux peuples. Nous avons les dispersés. Et nous avons les exilés. Et ici on promet qu'au temps de la fin, le Seigneur va poursuivre le reste de son peuple qui est en Assyrie. Il va récupérer le reste. Il prendra les dispersés et les exilés, ils les mettront ensemble. Les exilés, ce sont ceux qui étaient partis au nord. Les dispersés, ce sont ceux que Titus avait dispersés. Et il y aura un temps. Le temps là, je crois que le pasteur aura à vous parler de ça. Il y aura un temps où on aura les dispersés et les exilés. On les met tous ensemble. Mais pour le moment, ils sont dispersés. Ce que Dieu a ramené présentement. Présentement, ce que Dieu a ramené, ce sont les dispersés. Ils sont revenus en 46. Ils ont une nation. Ils sont là. Mais remarquez, leur retour n'est pas en réalité leur retour.
Ça veut dire quoi? Manayake ni? Ce qui a eu. Quel est le quoi? Ni taifa ya Wayuda. Et les homosexuels. Na wale wenye kuoana katika. Et les bandits. Na wajambazi. Retourner dans le pays. Wote wanapaswa kurudi muinchi. La prochaine chose. Pour les disperser. Tu as quoi zambarisha? La prochaine chose. Kitu kitafuata? C'est le réveil. Ni wamsho. Qui va distinguer. Il est tachanish. Les faux. Wabaya, et les vrais juifs. Na wale wa Yuda wa kweli. Et quel est ce réveil là? Sasa ile wamsho ni wamsho gani? Le prophète dit. Nabi anasema. Que je prophétise sur quelque chose qui est sur le point d'arriver maintenant, qui va commencer ici pour aller jusque chez les Juifs et attraper les deux témoins. Quelle est cette chose? Ce n'est pas la guérison divine. Ce n'est pas le miracle non plus. Mais c'est le message que nous avons. Les mystères cachés. Mes frères et sœurs. C'est ce message qui va être prêché aux Juifs. Gloire à Dieu. Si ce soir, un Juif suit ceci, son esprit va s'ouvrir. Seulement cette prédication. Si un juif suit ça, il comprendra que oh, moi, j'avais rejeté Jésus. C'est pourquoi j'étais chassé. Je suis revenu. Mais nous attendons encore les 10 autres tribus. Mais la chose, c'est, on appelle ça le bâton. Je n'ai pas le temps de vous lire ça. Le prophète dit. Dis à mon peuple, le temps viendra où tu prendras le premier morceau du bâton qui est le dispersé, le deuxième morceau qui est les exilés, tu les mettras ensemble et tous seront sous un seul bâton. Alors commencera le règne. Oui, monsieur. Quel est ce bâton? Si ce n'est le paix du roi. Avant que ça les réunisse, ça commence ici. Quelqu'un est avec moi? Ça rassemble l'épouse. Gloire à Dieu. Et dans l'épouse qui est rassemblée ici, durant les âges, c'est le mystère. Que le Seigneur vous bénisse. Buana, ami Barik. Merci, pasteur. On se tient debout. Très merveilleux, n'est-ce pas? Le jour de la rédemption est proche.